Bonjour à tous. Avec une grande joie, je me trouve une autre fois avec vous pour vous présenter une leçon modèle suite au programme Les clés de la réussite. Le domaine que je vais présenter, c'est la construction des valeurs et règles de vie commune. Puisqu'on est au thème de l'école, j'ai choisi une leçon intitulée Le règlement de la classe. Pour présenter une leçon, c'est évident de remplir le cahier journal et préparer une fiche didactique avec les trois étapes. Alors, comme d'habitude, je vais commencer ma leçon avec l'étape de l'observation et l'exploration. Alors, bonjour les enfants! Bonjour la maîtresse! Vous allez bien? Oui, la Alors, très bien. Alors les enfants, je vous écoute. La cantine de Voici mon doigt. Vous vous rappelez de la cantine de Voici mon doigt? Oui! Alors, on va dire la cantine ensemble. 1, 2 et 3. Voici mon doigt. Il est en classe. Il regarde le tableau. Il écoute la maîtresse. Il lit. Il écrit. Il dessine. Il colorie. Il se pose sur mes lèvres. Il envoie un bisou à la maîtresse. Bravo, mes enfants. Moi aussi, je vais vous donner un bisou. Bravo, vous êtes des champions. Alors, les enfants, maintenant, tout le monde, regarde le tableau. Regardez. Alors, j'ai choisi aujourd'hui plusieurs situations, d'accord? Alors, regardez ici, les enfants. C'est qui? C'est la maîtresse. Bravo. Et c'est qui? C'est les enfants. Alors, ce sont les enfants. Où sont-ils? Ils sont où? Ils sont à la maison. Non. Alors, où sont-ils? Ils sont dans la classe. C'est très bien. Ils sont dans la classe. Regardez ces enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent au tableau. Très bien. Ils regardent au tableau. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils écoutent la maîtresse. Très bien. C'est très bien. Bravo. Et regardez ici les enfants. Que fait ce petit garçon? Qu'est-ce qu'il fait? Il balance. Très bien. Alors, il se balance avec la chaise ou bien il joue avec la chaise? Alors, est-ce qu'on se balance avec la chaise en classe? Non. Est-ce qu'on joue avec la chaise en classe? Non. Alors, c'est très bien. Bravo. C'est pas bon? Non. Oui ou non? C'est bon ou bien c'est pas bon? C'est pas bon. C'est très bien. Et ici, regardez ces deux garçons. Où sont-ils? Ils sont dans la rue? Non, ils sont dans la classe. Alors, ils sont dans la classe. Ils sont dans la classe. Regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils battent. On va dire, ils se disputent, d'accord? Ils se disputent. Répète Ali. Ils se disputent. Très bien. Imran. Ils se disputent. Chet. Ils se disputent. Amir. Ils se disputent, Soumaya. Ils se disputent. C'est très bien. Alors, est-ce que les enfants, c'est bon de se disputer avec nos amis en classe? Non. Et dans... Il ne faut pas se disputer avec les amis dans la classe et même dans la cour, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Il ne faut pas se disputer, c'est très bien. Et regardez maintenant. C'est une fille ou c'est un garçon? C'est une fille. Alors, où est-elle? Elle est où? Dans la classe. Elle est dans la classe. Qu'est-ce qu'il fait? Elle lit. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, maintenant, regardez. C'est très bien. Élève la main. Pourquoi élève la main? Élève la main pour... C'est très bien. Élève la main pour parler. Pour parler à qui? Pour parler.
C'est très bien. Alors toujours, si je veux parler à la maîtresse, je lève la main. Levez la main. C'est très bien. Je lève la main pour prendre la parole. Je lève la main pour prendre la parole. C'est très bien. Vous êtes mes champions. C'est très bien. Et maintenant, regardez cette situation. Qu'est-ce qu'ils font, ces élèves? Ils parlent. C'est très bien. Ils parlent. Regarde. Ils sont où d'abord? Ils sont où? Dans la classe. Ils sont dans la classe. C'est très bien. Ils sont en train de parler. Est-ce qu'on parle dans la classe? Non. Quand la maîtresse explique la leçon? Pendant la leçon, il faut parler? Non. Il ne faut pas parler lorsque la maîtresse parle. Il faut? Très bien. Il faut faire attention. Il faut faire? Alors, toujours que la maîtresse parle, je croise mes bras et j'écoute. Je croise mes bras et j'écoute. Je fais attention. C'est clair? C'est clair. Alors, il faut faire attention. Toujours quand la maîtresse parle, il faut faire attention. Et regardez maintenant cette classe. C'est une classe, oui ou non? Oui. Regardez là, elle est comment cette classe? Sale. Oui, elle est? Sale. Elle est? Sale. Elle est? Sale. Alors, est-ce que c'est bon de travailler dans une classe sale? Non. Alors, il faut que la classe soit? Propre. Très bien, Amir. Il faut que la classe soit? Propre. Il faut que la classe soit? Propre. Regardez par terre. Qu'est-ce qu'il y a par terre? Regardez. C'est très bien, il y a des ordures. Est-ce qu'on jette les ordures par terre? Non. C'est très bien. Où on jette les ordures? On jette les ordures dans la poubelle. Regardez. Non. Est-ce que c'est bon de faire comme ça? Non. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Non. Dans la? Alors, viens, Amir. Alors. Prends les ordures et jette-les dans là. Alors voilà. Voilà la poubelle. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté les ordures dans la poubelle. Elle a jeté les ordures dans la poubelle. C'est très bien. Voilà le bon comportement. C'est très bien, mes enfants. Vous êtes des champions. C'est très bien. Alors, on a dit ici, les enfants écoutent la maîtresse. Si bon, bien, c'est pas bon. C'est bon. C'est bon. Ici, un enfant qui se balance, c'est un bon comportement, mais c'est un mauvais comportement. C'est un mauvais comportement. C'est un mauvais comportement. Et ici, un bon comportement, mais un mauvais. Un mauvais comportement. C'est très bien, c'est un mauvais comportement, mais il ne faut pas faire comme ça. Et ici, l'élève qui lève le doigt, c'est un bon comportement, mais c'est un mauvais. C'est un bon, répétez, un bon. Un bon comportement. Un bon comportement. C'est très bien. Et ici, lorsqu'on se bavarde, est-ce que c'est un bon comportement ou un mauvais comportement? Un mauvais comportement. C'est très bien. Ici, la classe est sale. C'est bon ou bien c'est pas bon? C'est pas bon. C'est très bien. Bravo, mes champions. C'est pas bon. Alors, mes enfants, regardez ici. Regardez. C'est quoi? C'est là? C'est la classe. Regardez cette classe. Elle est comment? Elle est sale. Cette classe, elle est sale. Alors les enfants, la classe est sale. Regardez ici. Il y a des déchets, des ordures. On ne doit pas jeter les ordures ici. Alors, c'est un bon comportement ou bien c'est un mauvais comportement? C'est très bien, mes champions. Bravo, mes champions. C'est un mauvais comportement. Il ne faut pas jeter les ordures par terre. D'accord, les enfants? Alors maintenant, je vais passer à la deuxième étape, la pratique et la construction. Alors, les enfants, j'ai posé des visages heureux et des visages en colère sur le tableau. Oui ou non? Oui. Alors maintenant, c'est à vous de choisir où est le visage que je vais mettre sous le bon comportement et sous le mauvais comportement. Alors, qui va passer le tableau? Alors, on va commencer par Amir. Passe le tableau, Amir. Alors, regarde Amir. C'est qui? La maîtresse. Et c'est qui? Les enfants. Alors, ils sont où? Dans la classe. Ils sont dans la classe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent la maîtresse. Alors, c'est un bon comportement, bien c'est un mauvais comportement? C'est un bon comportement. Très bien. Alors, choisis le bon visage que tu vas mettre. Alors, prends-le. Prends. Alors, prends-le. Colle-le ici.
Bravo, cher. C'est très bien. Alors ici, ici, c'est qui en colère? C'est la maîtresse qui est en colère, oui ou non? Oui. C'est la maîtresse parce qu'il n'accepte pas que les enfants se balancent avec les chaises. C'est très bien. Applaudissez, chef. Applaudissez votre choix. C'est très bien. Alors maintenant, c'est le rôle de qui? Elle. Alors, regardez la troisième situation. Ce sont des... Des garçons. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, Ali, qu'est-ce qu'on a dit? Pas qu'ils se battent, on dit ils se disputent. Amir? Ils se disputent. Ils se disputent. Ils se disputent. Est-ce que c'est bon de se disputer dans la classe? Non. C'est bon? Non. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Le visage heureux ou bien le visage en colère? Le visage en colère. C'est très bien, Ali. Alors, tu choisis. C'est très bien. Alors ici, on a dit que c'est la maîtresse est en colère. C'est un mauvais comportement. Très bien, allez, applaudissez, Ali. C'est très bien, applaudissez. Bravo. Alors, on va s'asseoir. Maintenant, c'est le rôle de Imran. Passe au tableau. On va voir si Imran a compris, oui ou non. Alors, regarde Imran, attention. C'est qui? C'est une fille. Une fille. Il est où? Il est à la maison. Non. Alors, il est dans la classe. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Élève le doigt, bien la main, pourquoi? Pour la main. Pourquoi? Alors élève la main, pourquoi les enfants? Pour parler. Très bien, élève la main, pour parler. Alors Emma, c'est un bon comportement, bien c'est un mauvais comportement. C'est un bon. Répète, c'est un bon comportement. Qu'est-ce qu'on va mettre? Tu choisis. Vas-y. C'est très bien, alors c'est un bon comportement. Alors il faut toujours lever la main pour parler. Applaudissez notre voix, Emma. C'est très bien, on va te voir. Maintenant, on va passer à une autre situation. Alors c'est le rôle de Soumeya. Alors regarde Soumeya. Ce sont des enfants. Ils sont où? Ils sont à la maison. Ils sont où alors? Ils sont dans la classe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Alors, ils parlent. Est-ce qu'on parle lorsque la maîtresse explique la leçon? Non. Oui ou non? Non. Alors, c'est un bon comportement? Non. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un mauvais? Mauvais comportement. Comportement. Très bien. Alors, tu choisis le bon visage qu'on va mettre. C'est très bien. Alors, ici, le visage en colère, c'est un mauvais comportement. C'est un... Mauvais comportement, c'est très bien. Applaudissez Soumeya. Bravo. Il nous reste une seule situation. Alors maintenant, qui va passer pour faire la dernière situation? La maîtresse. Alors je donne la parole à Amine. La maîtresse. Alors, regarde Amine ici. Des enfants. Ils sont où? Dans la classe. Ils sont dans la... Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des bêtises. Alors regarde la classe. Elle est comment la classe? Elle est sale. Elle est sale. Est-ce qu'on jette les ordures par terre? Non. Alors qu'est-ce qu'on va dire, Amir? C'est un bon comportement. Mais c'est un mauvais comportement. C'est un mauvais. C'est très bien. Alors tu choisis. Alors il en reste seulement le bon comportement. Alors on va. Alors choisis. Dis. Cherche le mauvais comportement. C'est très bien. C'est un mauvais comportement. Il faut qu'on garde notre place. Propre. Il faut qu'on garde notre place. Propre. Il faut qu'on garde notre place. Propre. C'est très bien, les enfants. C'est très bien. C'est très bien. Alors aujourd'hui, on a parlé de règlement de la classe. Oui ou non? Oui. Oui. Alors regardez. Pour parler. J'élève la main pour parler. J'élève la main pour parler. J'écoute. La maîtresse. Très bien, j'écoute.
étape, c'est l'étape de l'exploitation et l'application. Alors regardez mes enfants, maintenant on va travailler une activité sur laquelle on va classer les bons comportements et les mauvais comportements. On est d'accord? D'accord! On va entourer le bon comportement et on va barrer le mauvais comportement. Vous avez compris? Oui! Alors maintenant, je vous donne l'activité, c'est à vous de travailler, d'accord? D'accord! Alors viens, Ali. Emma. Oui. La même chose. On va seulement travailler, pas colorier. On va seulement entourer et barrer. Alors regardez les enfants. Regarde ici. C'est qui? C'est un enfant. C'est un enfant. Il est où? Dans la classe. Il est dans la classe. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève la main. Il lève la main pour quoi? Il lève la main pour parler. Alors c'est un bon comportement ou c'est un mauvais comportement? C'est un bon comportement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer, travailler. Bravo. Très bien. Entourer le bon comportement. C'est très bien. Bravo, les champions. C'est très bien. Bravo. C'est très bien. Alors, on a dit qu'on va entourer le bon comportement. C'est très bien. Ça y est, c'est bon? Ça y est, bien. On va passer à la deuxième situation. Regardez. Si deux filles, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent. Ils se battent, mais qu'est-ce qu'on a dit? Ils se disputent. Ils se disputent. Est-ce qu'on se dispute à l'école? Non. Pas dans la classe, mais pas dans la cour. D'accord? Qu'est-ce que j'entoure? C'est un bon comportement? Non. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est un mauvais comportement. On va le barrer. Alors regardez, comment je barre? C'est comme ça. On va barrer le mauvais comportement. C'est pas bon. C'est pas bon. Très bien. Bravo. C'est bon les enfants? C'est bon. Alors, on passe à la troisième situation. Regardez ce garçon. Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Elle jette les ordures dans la poubelle. C'est très bien, elle jette les ordures dans la poubelle. Alors, c'est un bon comportement, mais c'est un mauvais comportement. C'est un bon comportement. C'est très bien les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va endurer ou on va barrer? On va endurer parce que c'est un bon comportement. C'est très bien. Travaillez. C'est très bien. Vous avez bien compris le règlement de la classe. C'est très bien. Et la dernière situation, qu'est-ce qu'on a? Que fait ce petit garçon? Qu'est-ce qu'il fait? Il balance avec. Il se balance avec la chaise. Est-ce que c'est bon de se balancer avec la chaise? Non. C'est un mauvais comportement. C'est très bien. On va entourer bien, on va barrer. Barrer. C'est très bien. On va barrer parce que c'est un mauvais comportement. Bravo mes champions. C'est très bien. Je suis fière de vous. C'est très bien. Bravo. Vous avez bien compris notre leçon d'aujourd'hui. C'est très bien. C'est très bien. Vous avez terminé? Oui. Alors avec cette activité de l'exploitation et l'application, j'ai terminé ma leçon et merci.